Bienvenue sur la chaîne de Bulle de Samoz. Sur cette chaîne, je parle des astuces, des actualités et les offres d'emploi. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi immédiatement. Je rappelle également, j'ai créé une nouvelle chaîne qui parle seulement que les comédies. Toi qui es fan des comédies, alors je vais laisser un lien en haut de cette vidéo. Clique sur le lien et abonne-toi également à cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais essayer très rapidement de vous montrer comment savoir si quelqu'un vous a bloqué sur WhatsApp. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Premièrement, si vous rentrez dans votre compte WhatsApp, bon, ici, tout simplement, je vais essayer de... Comme j'ai deux comptes WhatsApp, je vais essayer très rapidement de voir mon second WhatsApp ici. Et vous-même, vous allez le voir ensemble. C'est mon deuxième WhatsApp. Vous voyez ici. Par exemple, ici, vous voyez que ça m'affiche que je suis, que la personne est en ligne. Vous voyez que ça affiche que la personne est en ligne. Ok. Je vais essayer très rapidement de bloquer. Je vais dire à la personne de me bloquer. Par exemple, on va voir. Voilà. La personne va essayer rapidement de me bloquer. Bloquer cette personne. Bloquer. Voilà. La personne m'a bloqué. Maintenant, si je rentre dans mon compte WhatsApp, moi-même, je rentre dans mon compte WhatsApp, vous verrez que je ne vais pas voir. Avant, ici, ça a été écrit en ligne. Donc, vous voyez, actuellement, ça ne s'affiche plus. Et de deux, la photo de profil... La photo de profil, ça va prendre un peu de temps. Comme la personne m'a bloqué et tout de suite, ça va prendre un peu de temps pour que la photo disparaisse. Donc, comme vous le constatez, il y a sa photo de profil. Je vais essayer de cliquer sur ça. Vous voyez. Ok. Donc, voilà. La photo de profil est disparue, vous voyez. Donc, ce sont la première signe qui vous prouve que une personne vous a bloqué sur WhatsApp. C'est la première signe. Premièrement, vous ne verrez plus sa photo de profil. Vous ne verrez plus sa dernière heure de connexion qui s'affiche en bas ici. Donc, c'est ça. C'est ce qui prouve qu'une personne vous a bloqué sur WhatsApp. Donc, c'est aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui. On se dit à très bientôt.